Donc tout de suite, avant de commencer cet unboxing, je tenais tout simplement à vous dire que j'étais le premier français mondialement à faire une vidéo sur ce produit. J'espère quand même que vous me partagerez et que vous me publierez, car cet unboxing que je vais vous présenter est vraiment une pure folie. Voilà, sur ce, moi je vous dis bon visionnage à tous et à toutes. Bonjour à tous, bonjour à toutes, ici c'est Tendorphone et aujourd'hui on se retrouve pour une unboxing. Désolé, j'ai chopé le micro. Alors je sais, je suis un peu dans des conditions un peu bizarres, un peu restreintes, vu que mon micro est là, le carton est là et je suis devant une webcam, donc c'est pas une caméra, une qualité extraordinaire. C'est ma toute première unboxing vraiment que je fais sur cette chaîne, où je n'ai pas encore déballé que le deal, où je ne sais pas encore ce qu'il y a à l'intérieur. Enfin si, je sais ce qu'il y a à l'intérieur, donc c'est moi qui ai commandé, mais je sais pas encore comment ça va être, etc., vu que je ne sais pas du tout la taille. Par contre, je croyais que ce serait beaucoup plus léger ce que j'avais commandé, et donc du coup c'est assez lourd. On m'avait prévu 1 kilo, et j'ai pas l'impression que ce soit vraiment 1 kilo. Bref, on va prendre le couteau, on va... On va ouvrir ça, là. Je dégage mon micro 2 secondes. Voilà. Ce que je vais peut-être faire. Voilà. Donc, il est ici. Il n'est pas encore ouvert. Attention. Donc, la caisse avait été un peu abîmée pendant le voyage. Bon, ça ne veut pas l'air d'être très grave. Donc, pas bien grave. On continue de l'ouvrir. Ah, ça c'est le principe d'Amazon, foutre une caisse dans une caisse. Merci à toi. Alors, où est le cul, où est la tête? Alors, cette caisse est très lourde pour son micro-poids. Donc là, encore une caisse. Alors là, je ne sais pas si vous savez, je voudrais unboxing mystère. Alors, on retourne vite fait ça. Je vais un peu durer le suspense avec toutes ces caisses, c'est plus drôle. Oh. Voici cette putain de magnifique boîte. Alors là, vous êtes en train de vous dire, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Et alors là, j'ouvre encore la boîte, mais cette boîte est déjà super belle. Alors, je sais pas s'il y a, voilà, il y a un petit collant là, voilà, vous voyez, parfait, il y a un petit collant là. Franchement, sur le packaging, rien à dire, ils sont très très jolis. Voilà, ça c'est vraiment une pure tuerie. Je ne serais pas du tout attendu ça de leur part, vraiment, c'est très très joli. Aussi, je tiens à m'excuser du son un peu dégueulasse. Waouh. Waouh, waouh, waouh. Alors là, je vais essayer de vous montrer. Voilà comment ça se présente. Alors là, vous voyez peut-être ce que c'est. C'est un new micro. Voilà. Pourquoi? Parce que celui-ci n'était pas d'une excellente qualité. Oh. Donc ça, ça doit être les notices que, bien sûr, je ne lirai pas. Voilà, j'en ai un peu rien à foutre. Ou peut-être que c'est tout ce qui a à voir avec le micro. Et là, on arrive à la partie la plus intéressante, ce qu'il y a dans la boîte. Voilà ce qu'il y a dans la boîte. Tout d'abord, il y a ça. Sort mon coco. Bon, on va prendre ceci. Il y a ceci. Je sais pas du tout ce que c'est. À mon avis, c'est sûrement une... Par contre, là, vous voyez, là, je suis un peu déçu de... Voilà. Le truc est abîmé. Bon, c'est pas bien grave. On avait... Ça doit juste être une... Voilà, c'est juste, en fait, c'est juste un support, à mon avis. Voilà, c'est juste
une petite abeille pour montrer leur petit logo, ce qui est très gentil de leur part de donner ça. Et je vais tout casser. Donc c'est vraiment très gentil de leur part. Je la mettrai dans ma petite figurine. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Bon, ça on s'en fiche. Ensuite, on a ceci. Alors ceci. Ça, ceci, c'est un câble. C'est un câble comme ceci. Je sais pas si vous voyez. Voilà. C'est un câble plutôt... J'ai pas de mise au point sur ma caméra, donc je suis désolé. Voilà, c'est un câble comme ça, avec un USB. Je sais pas trop, peut-être qu'on trouvera le nom plus tard. Alors là, je suis en train d'enlever un espèce de... J'ai jamais su ce que c'était cette matière, mais c'est pas la première fois que je sens ça ici. Ceci, c'est le truc comme ceci, mais pour le micro. Et là, on arrive au plus intéressant. Waouh, il est immense! Il est immense! Non, vraiment, je me serais attendu à un truc beaucoup plus petit de sa part. Le micro est immense. Le micro est juste super grand. Je croyais pas que c'était un truc aussi gros. Je me serais attendu à un truc plus petit. Ah ouais. Ah ouais. Il disait pas les tailles sur le site d'Amazon. Mais c'est vraiment immense. Ah ouais. Ah mais y a pas à déconner, il est trop beau. Franchement, je m'attendais pas du tout à cette couleur. Vraiment, je me suis dit que ça allait être une couleur tout moche. Parce que j'ai vu sur Amazon quelques trucs. Et là, donc y a des boutons en fait. Voilà. En fait, je vais vous lire. Donc là, ici, ce sera le volume, le neutral et le voice. Là, il fait marquer le gain, je pense. Non, mic gain. Donc si, le gain. Et là, il fait marquer le headphone vol. Je sais pas ce que c'est. On va déposer tout ça là. Et la caisse, du coup, est terminée. En tout cas, de leur part, c'est un très beau très beau packaging. Je leur félicite pour ça. Donc pour le moment, je vous conseille pour le packaging. Voilà. Attention. Attention, parce que ce n'est que le packaging, d'accord? Donc on va attendre un tout petit peu. Et on va bien voir qu'est-ce que la suite nous réserve. Alors, attendez. J'ai cru voir les caractéristiques dans ce petit livre. Les caractéristiques. Lire le lien de ce micro sera dans la description. Il coûte 100 € pour le moment. Il y avait une réduction, voilà. Ah, si les caractéristiques, bon, elles sont là. Voilà, je sais pas si vous arriverez à lire, mais non, vous n'arriverez pas à lire. Enfin bref, elles sont ici. Donc, si jamais ça intéresse quelqu'un, les caractéristiques sont sur le site. Ils disent exactement la même chose. Donc, voici Volou. Et aussi, je vous mettrai le lien d'un petit test, donc une personne qui teste. Parce que moi, c'est surtout ça qui m'a fort intrigué. Mais en tout cas, le packaging, moi, je le redis encore une fois, mais il est super beau. Par contre, quand on l'a enlevé une fois, on peut pas vraiment bien le remettre. C'est peut-être parce que j'ai laissé des... C'est peut-être parce que j'ai laissé des trucs en dessous. Oui, j'ai laissé ça. Voilà. Donc ça empêche peut-être de bien le refermer. Voilà. 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 Ah oui. En effet. Là, c'est... Oui. Là, c'est tout de suite mieux. Bref. En tout cas, un très beau packaging. Je le répète encore une fois. Ici, je vais pas canarder la boîte parce que ce serait du gâchis. Donc, je vais vite fait mettre tout ça en pause, brancher le micro. Donc, en gros, c'est très simple. Hein. Le micro, je vais le prendre comme ceci. Vous voyez, il a une prise à l'arrière. Il faut juste brancher ceci et brancher ça à l'ordinateur. Je verrai bien si jamais il y a des petits réglages à faire. S'il y a des petits réglages à faire, je vous montrerai tout ça en vidéo. Et s'il n'y a pas de réglages à faire, je ne vous montrerai tout simplement rien du tout. Voici Volou. Alors, je vais faire une petite ellipse, et sur ce, à tout de suite. Voilà, donc je reprends tout de suite le rec, parce qu'en réalité, vous voyez, l'abeille, c'était juste écrase, il a juste suffi que je fasse un petit peu ça, et c'est parti, donc voilà, c'est ma faute, j'avais pas bien appuyé pour enlever l'écrase, mais ce n'était juste que des petites crasses, donc l'abeille, voilà, très bon aussi, je vous le conseille, donc je continue de brancher le micro. À tout de suite. Donc, voilà, on se retrouve avec le nouveau micro qui est ici en face de moi, sur le petit pop-up. Je vais jouer un peu avec tout ce qu'il y a ici à ce niveau-ci. Donc là, qu'est-ce que ça fait? Ça ne change absolument rien. Là, ça ne change absolument rien. Donc on va pas changer ici. Donc je vous explique. Je vais le prendre, ça va peut-être faire un petit peu de bruit. Voilà, donc ceci. Voilà, donc.
Voilà. Donc là, il y a des petites lumières. En fait, ça, ce sont des lumières. Donc c'est plutôt joli. Bah attendez, vous savez quoi? Je vais pas le bouger. Je vais le remettre parce que si jamais je le bouge et que vous ne m'entendez plus, ça va pas le faire. Donc je vais prendre la petite webcam. Je suis désolé pour tous ces mouvements. Donc, regardez. Oui, c'est le bordel. Ici, vous avez en fait la musique, le neutral et le voice. Je sais, c'est pas une qualité très bonne. Ici, vous avez le gars. Donc si jamais je joue avec le gars, donc là, mon gars est à fond. Si jamais je diminue le gars, vous m'entendez de moins en moins. Voilà. Voilà. Donc en gros, j'en mets mon gars à fond pour être sûr que vous m'entendiez. Ensuite, il y a le held volume. Alors ça, je sais pas exactement ce que c'est. On va jouer aussi un petit peu avec. Là, il est au minimum et là, il va être au maximum. Voilà. Je ne sais pas exactement à quoi ça sert, mais c'est tout. Donc là, il y a quelques petits réglages et sinon, dès que j'ai branché mon périphérique dans mon ordinateur, il s'est directement, il s'est vraiment, mais instantanément, pouf, réglé tout seul. Je n'ai rien eu besoin de faire. Donc voilà, sur ce, ça j'étais très content que ça se fasse tout seul. J'avais peur de devoir faire des réglages à la con et à la 6 moldeuse, donc des réglages vraiment trop compliqués. Mais bref, voilà, le micro est là, on va voir ce que ça donne maintenant en enregistrement. Je vous retrouve tout de suite après. Donc voilà, l'enregistrement, bah il s'est plutôt bien passé. Alors comme vous le voyez, le micro a été un peu fort, mais ça j'en suis désolé, c'était juste pour faire un test, etc, etc. En tout cas, la qualité du micro comparée à cette merde, mais c'est juste magnifique. J'ai vraiment l'impression d'entendre ma voix à moi. Et au moins le micro n'est pas devant ma bouche, donc vous voyez vraiment mon visage et plus ce truc là qui était là devant ma bouche et qui me cachait un peu ma bouche. Donc vraiment très satisfait de ce micro. À mon avis, il faudrait que je le règle un petit peu pour que le son soit meilleur. J'ai entendu qu'il y avait un petit son un petit peu dérangeant au début, mais vers la fin, il s'est complètement enlevé. Est-ce que c'est le temps qu'il s'habitue à ma voix ou quoi? Ça, je ne sais pas. Mais en tout cas, très satisfait. Vraiment très très satisfait. Donc, je vous le conseille vraiment pour un prix de 100€. C'est pas si cher que ça. Donc, voilà, je vous le conseille vraiment sur Amazon. Donc, voici. Voilà. Sur ce, moi, les amis, je vais vous dire bye bye et à la prochaine. Merci d'avoir regardé cet unboxing. Ça m'a fait extrêmement plaisir. Et sur ce, attendez. Attendez, on va brancher le petit pop-up parce que j'ai pas encore eu le temps de le brancher. Donc on va juste le mettre comme ça. Je suppose que ça se branche. Juste comme ça. Je suis en train de vous défoncer les oreilles très certainement. Donc voilà, là je sais pas si ça va faire quelque chose. Je vais essayer de faire des... Voilà, je sais pas ce que ça va donner, vous me direz si ce micro vous a conquis. Moi en tout cas il m'a vraiment conquis, je le garderai et celui-ci je vais m'en débarrasser. Sur ce, moi je vous dis bye bye et à la prochaine, merci d'avoir regardé cette vidéo. Et sur ce, peace les gens, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et un commentaire. Merci de votre visionnage.